Vers la Tour, c'est mon nom d'artiste de musique électronique. Je suis producteur, je performe des lives. On est super excités, on est à la friche de la Belle de Mai, à l'invitation de Black Euphoria et Esponceda. On a répondu à l'appel à Projet Reading, où on est lauréat de la partie vraiment musique et festival. On essaie vraiment de là de monter un peu une forme de live en incluant l'interactivité, en l'augmentant en temps réel aussi. On a travaillé sur un format interactif pour une foule dans un concert. Le but, ça va être de donner à la foule une entrée dans la partie musicale. On a un poste d'interactivité générale, où là, c'est vraiment le corps dans l'espace qu'on mesure à l'aide de caméras 3D, qui nous permet d'interagir sur tout le système scénique, donc que ça soit de la vidéo, de la lumière, du son, de la modélisation 3D du public. On va inviter les gens à taper sur des pads, à créer un show lumière, à jouer des mélodies, à jouer des percussions, et de pouvoir les sampler, les enregistrer et de pouvoir créer de la matière à partir de ça. Le spectacle Immersion, c'est aussi une création qu'on a montée en collaboration assez étroite avec le Château Blanc de Flixecourt, qui sont du coup des résidents qui sont en situation d'handicap psychique, des adultes pour la plupart, et qui nous ont permis aussi de développer une approche très intuitive, qu'on puisse avoir finalement les mêmes chances qu'on soit en situation d'handicap ou un spectateur dit ordinaire. Alors, ce qui a été très intéressant dans cette résidence, c'est que très tôt, on a pu régler des problèmes techniques majeurs. On a pu se concentrer sur ces problèmes de sens, de discours et d'interaction avec le public et d'unité très vite. Et ça a été un travail merveilleux qu'on a pu faire avec Jocelyn.